Bonjour les enfants, alors comme qui dirait, c'est bientôt Noël, c'est le moment d'avoir de bonnes idées parce que on vous attend quelque part et ça tombe bien, c'est mon job de vous aider. Alors le Père Noël m'a demandé de venir donner quelques conseils à droite à gauche et moi j'ai un super conseil pour vous. Et c'est un livre, il s'appelle Les Livres des Martyrs, Steven Erikson, le gros succès de fantasy en France depuis quelque temps déjà. Si vous l'avez raté, c'est dommage parce que c'est l'épique fantasy qui rigole pas. Le trône de fer, ça c'est royal, etc. C'est très très bien, c'est à ce niveau-là, c'est pareil, même mieux qu'on dirait, parce que le Père Noël il l'a dit. Et vous savez pourquoi? Parce que Steven Erikson c'est un super auteur, anthropologue, archéologue, il raconte une histoire de dingue. Un continent ravagé par la guerre, par les armées, une armée malasdéenne qui est en train de se torturer elle-même, de se faire des choses bizarres. Il y a de la magie, il y a des combats, il y a des trucs super super bizarres, et ça va franchement dégénérer un max. Et alors, je peux vous dire une chose, il y a deux solutions. Soit vous ne l'avez pas lu, et vous êtes passé à côté de quelque chose, les enfants, il va falloir attendre le Père Noël dans quelques années. À ce moment-là, il y a une solution, vous le commandez, vous l'achetez, vous faites ce que vous voulez. Deuxième solution, vous l'avez déjà lu, et là, vous avez peut-être des amis sur Terre. Et si vous leur apprenez que ce livre existe, ce sera vos meilleurs amis bientôt. C'est pas un bon conseil, ça? À bientôt!